Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je prends le matin, il est 10h. On a bien dormi tous. J'allais dire, c'est bizarre, ma voiture ne s'ouvre pas. J'ai oublié d'inscrire les enfants à la cantine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai mal posé. Hop, voilà. J'ai oublié d'inscrire les enfants à la cantine. Pour la semaine prochaine, on est vendredi. Normalement, c'est jeudi au plus tard et jeudi, c'est fermé. Donc, c'est mercredi. Et mercredi, j'y ai pas pensé du tout. Donc là, j'y vais. J'espère que ça va aller. Il faut que j'achète des tickets. Bon, des tickets, j'en ai d'avance, donc c'est pas grave. Mais il faut surtout que je puisse les inscrire. Et ça, c'est la loose. J'oublie tout le temps cette histoire. Vu que c'est jamais les mêmes jours, j'oublie de les inscrire. Bon, allez, là, on y va. De toute façon, j'ai que ça à faire ce matin. Et cet après-midi, je pense, pendant que tout le monde fera la sieste, j'irai faire les courses pour ce week-end. Et puis, voilà. La neige, c'est fini. Elle est toute partie. Partie. Il n'y en a même plus sur les sommets. Rien. Petite partie de Ono avec la pupuse. Donc, soit la même voiture, soit la même couleur. Voilà. Super, Andrea. À moi. À maman. À toi. Ça oui. À moi. Soit même voiture. Ah oui, t'as décidé de mettre la même voiture. C'est bien, ma puce. À toi, maman. Oh là là, plus 4 cartes. Et je choisis la couleur rouge. Et moi. Toi, tu pioches 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Tiens. Encore rouge. Allez, à toi de jouer. Tu mets du rouge. Vous pouvez faire 2 contre 3. Hein. Du rouge. Du rouge ou de la même voiture? On en met un niveau 2 pour la même voiture. Le bleu s'appelle... Du rouge. Papa, eh ben, mets du rouge, vas-y. Je vais changer mon prénom parce... et Maxence doit changer son prénom. Ça. Non, tu mets du rouge. T'as du rouge dans ta main. Non, pas ça. Regarde, ah, Andrea. Là, t'as du rouge. Là. Andrea, regarde tes cartes. Ça, tu peux la mettre, ça. L'autre, niveau 3. À toi. Là, c'est sur mon thème, c'est ça? Amoureux, oui, c'est ma couille. Oui, à toi. Non, faut pas mettre n'importe quoi. La même voiture ou la même couleur? Équipe. Moi, je vois la même voiture. Ça. Super. On se prend en rouge. À toi, maman. On se met en vert. Tu joues pas. Uno. Ou pas. Plus 2. Gagné. Les... J'ai gagné. J'ai plus de cartes. J'ai gagné. On refait une partie? Oui. Bon, ce matin était productif. Une machine, deux machines. J'ai le linge de la puce qui est sec, qui reste plus qu'à ranger. Là, on passe à table. Papa nous fait des steaks à cheval. Ça fait belle lurette que c'est pas arrivé, ça. Oui, il veut du ketchup. Et la puce, elle a déjà fini de manger. Elle est au taquet du repas. Regardez. L'assiette est vide. Bravo, Pupus. T'as bien mangé. Il est trop beau. De bons steaks à cheval à Maxence. Et non, j'ai pas de steak. Tu ne vois pas le steak? Il n'y a pas de steak? Oui. Mince. Ah, si. Soulève pour voir. Moi, un petit peu. Pour voir. Oh, on voit le steak haché. Ça va être bon, ça. Papa, tu m'as menti. Il a fait une blague. Bah, allez, bon appétit. Tu m'as quand même menti. Mais doudou, là. Parce que je ne veux pas tomber à côté, oui. Da. Je suis en train de la mettre à l'envers, ma puce. Regardez là, la coquine. Je fais rien.
Toi, tu veux faire des guignes à mon dos? Non, toi. Ah, bah allonge-toi. Des guignes ou des papouilles? Des papouilles. 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 Allonge tes jambes. Voilà. Est-ce que ça fait du bien, ça? Oui. C'est mieux que les guignes? Oui. T'as une petite gifle. Oui, c'est où? Ici, là, t'as une gifle. À côté du nez? Mais non, là, je te montre, je te touche. C'est là? Là où je touche. Elle ne voit plus. Là, tu peux pas voir, c'est dans ton dos. Oui, bon, là, là, au moment où je vous prends, je sors d'une sieste. Je me suis endormie en regardant un truc à la télé avec JB, un reportage. En vrai, en vrai, on a regardé un truc sur Planète Plus, un reportage sur l'espace, enfin surtout la recherche, comment dire, de d'autres planètes et de vie extraterrestre en fait. Et de vie sur d'autres planètes, et aussi d'autres planètes pour trouver la vie, et la façon de trouver la vie. Enfin, c'était super intéressant, sauf qu'en fait, je pense que c'est tellement calme ce genre de reportage et qu'on était fatigués, que JB et moi, on s'est endormis hein, sur le canapé. Et Maxence y jouait tranquillement dans la salle de jeu. Voilà quoi. Donc, Henri, arrête, referme le placard là. Donc finalement, j'ai été me coucher un peu dans le lit pour vraiment me reposer. La JB vient de partir, enfin je sais pas trop, il est parti pendant que je dormais, aux courses avec Amaury. Non, elle va aller aux courses avec maman. Ah non, là c'est papa. Pour une fois, c'est papa qui fait les courses et il est parti avec Amaury. C'est cool. Maman? Oui. Après nous, papa fait les courses. Ah non, on va pas faire les courses après papa. Les courses, elles seront déjà faites. Nous, on n'aura plus besoin d'y aller. Donc, voilà, quoi. C'est tranquillou, loulou. Et maman, je vais la détourner. Comme Audrey. Oui, je paille. Ah, attends, Andréa m'a réveillée un peu en... Ah, maman, je sors. Ça fait toujours bizarre de sortir du lit avec un réveil comme ça. Merci. Attendez-moi, papa. Hop, je vais mettre ça ici, au milieu. Parce que moi, je vais faire tout ça. Petit pique-nique apéro dans le salon. Maman, tu vas... Oh oui, je te dirai si c'est bon. C'est de l'alcool. Oui, c'est de la bière. Donc c'est pour les papas et les mamans. Et ben ça va être bon. Je sais pas comment. Maman, tu peux boire un verre ça à ti. Oui, tu peux manger dans ce, tu peux boire dans ce verre là, ma puce. D'abord je vais goûter. Oui, d'abord tu vas goûter. Maman, c'est à quoi? Vous avez pris quoi? Une. T'as pris? Montre-moi, je vois pas. Ice si pêche. Bon, t'aimes ça. Oui. Bon, on s'est passé une bonne soirée apéro. Il y a tout qui est rangé, nickel. On s'est regardé la fin de la saison 2 de Trio Venu d'ailleurs, là, des animés sur Netflix, qui est super. Là, on attend avec impatience l'autre série. Donc, c'est la troisième série. Ça fait partie des contes d'Arcadia. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc là, on s'est terminé là les deux premières séries. Donc ça fait 5 saisons qu'on a regardé tous ensemble. On trouve ça trop bien, mais nous pareil que les enfants quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est pas des dessins animés où les épisodes bah ils suivent comme ça. Il y a pas enfin genre un truc par épisode, mais aucun lien entre tous. C'est pas ça. Là vraiment, il y a une vraie histoire. On dirait une série d'adultes en dessin animé en fait. C'est exactement ça. On est trop pressé de voir la suite. À la fin d'un épisode, on a trop envie de voir l'autre épisode. Franchement, trop, trop bien. Même pour les adultes, c'est vraiment bien. Et bon, nous, on a toujours une âme d'enfant. On adore les dessins animés. Et nos enfants aussi. Donc, on se regarde beaucoup de dessins animés ensemble. Parce qu'on aime beaucoup. Donc, on attend avec impatience la troisième série. Qui sera, je sais pas en combien de saisons, par contre. Je sais pas. Mais franchement, c'est vraiment super. Ce truc, on a découvert avec Chasseurs de Trolls. Qu'on avait dû voir ça, je ne sais plus sur quelle chaîne à la télé. Et quand on a vu que Netflix avait toutes les saisons et qu'il y avait la deuxième série des contes d'Arcadia, c'est super. Bon, là, on est en train de coucher les enfants. Nous, on va pas tarder non plus parce que finalement, il est tard. C'est les vacances, c'est le dernier week-end avant la reprise. Tout va se calmer au moment de...
ce week-end, quoi, pour reprendre l'école et retrouver un rythme normal. Voilà. Bah, allez, je vous laisse. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.